Qu'est-ce que le congé sabbatique ? Mis en place sur une période de 11 mois, le congé sabbatique permet à un salarié de suspendre son contrat de travail dans le but de réaliser un projet personnel. Autrement dit, c'est une suspension provisoire qu'un employé a établie avec son entreprise, après laquelle ce dernier retrouve son activité professionnelle ainsi que sa rémunération. Combien de temps dure un congé sabbatique ? Le congé sabbatique a généralement une durée maximum de 11 mois et une durée minimale de 6 mois. Durant cette période, le salarié ne bénéficie d'aucune expérience dans l'entreprise. Il n'est donc pas en capacité d'acquérir de l'ancienneté et n'a pas le droit de bénéficier de congés payés. Qui a droit au congé sabbatique et quand en faire la demande ? Afin d'avoir accès à cette période de congé prolongé, le salarié doit justifier d'au moins 6 ans d'activité professionnelle, avoir, avant la date de départ, justifié d'un minimum de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à la date du congé, ne pas avoir bénéficié, dans l'entreprise concernée et au cours des 6 dernières années, d'un congé de formation ou de création de son entreprise. Enfin, il se doit de faire la demande de congé au moins 3 mois avant la date de départ. Dans quelle situation se trouve le salarié à son retour ? Après un congé sabbatique, certaines dispositions d'ordre public sont appliquées. Comme évoqué précédemment, à son retour, le salarié retrouve son poste ou un emploi similaire accompagné d'une rémunération. Cette dernière sera au moins équivalente à celle qu'il percevait avant son départ. De plus, le salarié dispose d'un entretien avec son employeur. Dans un cadre professionnel, ce dernier permet d'aborder les différentes perspectives d'évolution du salarié concerné. Enfin, bien que possible en cas d'accord avec l'employeur, le salarié n'est normalement pas dans le droit d'invoquer son retour anticipé dans l'entreprise. Pourquoi avoir recours à ce type de congé ? Le congé sabbatique représente une opportunité unique pour se tourner vers de nouvelles perspectives. Cette longue période permet à chacun de profiter d'un temps précieux, généralement loin de la vie professionnelle.